Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit world tour sur notre projet de créatif. C'est ça, hein? Projet ouais, créatif sur le thème médiéval plutôt nordique. Donc, du coup, voilà, on va vous montrer ça. En gros, ouais, il n'y a presque plus personne, quoi. Du coup, nous, on a décidé d'ouvrir un nouveau projet un peu plus loin qui est là. Beaucoup plus classe. Tac. En passant par le truc avec Gacha. Tac. Et voilà. Donc, du coup, alors, on commence par où? Bah, on commence par la map. Vous le voyez, ça envoie du loup. Ah oui, on fait tout au sol, sauf pour aller au machin. Ouais, mais tu mets ta tête vers le sol, histoire de pas se spoiler. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait. Même pas en fait, parce que si j'actualise. On n'a pas fini, on l'a pas. On l'actualisera. Le port, peut-être. Le port, donc là c'est le petit truc là, le petit triangle qui est séparé par les rivières, donc on sait par là. Ici on est au point vert. On va passer devant la taverne, là. Les maisons en paille. Et on va arriver au port. On fait ça du coup? Ouais, vas-y, bon, on y va à pied. On montre le pont. Ouais, alors le pont, là. Donc là, un pont, le premier pont qu'on a fait. Une des premières grandes constructions. Ça va en plus, hein. Avec un petit éclat. C'est ça qui est stylé. Ah, il est stylé. Donc là, il y a l'auberge. Black Pixel. Black Pixel. Entièrement pris chez, je crois qu'il a pris sur un jeu viking, il voulait reproduire un peu. Bah, quoi, c'est réussi. Oh, c'est pas mal. Ah ouais, il y a quelque chose. Bon, les détails, et lui c'est un peu fâché, mais. Ah, mais c'est les détails, c'est pas. Mais bon, ça passe quand même. Là il y a une petite avancée, bon, c'est pas. Ouais, là c'est ce qu'il a fait pour aller vers le port. Là c'est une petite maison en paille. Ah, c'est village, quartier bon, pauvre. Pour l'instant, celui-là on l'améliorera peut-être avec le port. D'ailleurs, voilà. Du coup, voilà, il y a quelques maisons. Il avait fait une entrée de mine aussi. Ah oui, là. C'est vrai. Bon, la mine n'est pas finie. Il n'y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose dedans. C'était plus un jeu. Ouais, chez vous. Voilà. Donc, là, on va pas sur le côté, au port. Non. Ah, on peut descendre là, juste pour montrer. Tac, voilà, ça c'est l'avancée un peu des maisons. Voilà. Tac, donc du coup si on prend le pont ici, on va arriver vers le port. Un petit pont plutôt dégueulasse. Ouais. Mais bon, ouais. C'est le quartier pauvre. Hein. Ouais, on s'est dit quartier pauvre, on va respecter le truc. C'est une mule. Ça c'est les anciens trucs de survie. La mule qui s'appelle Black Pixel. Il ouais, faut le remarquer quand même. Ça c'est un stand. Ouais, il y a un stand ici. Bon, pas trop. Sur la gauche. Alors là t'as le port. Avec le drakkar de Pixel, là je mettrai quand même la... La photo que j'ai prise était plutôt bien réussie. Ça montre bien son truc. Vraiment classe son truc. Voilà, donc là il y a le port. Avec le quai, tout ça. Plutôt sympa d'ailleurs. Moi quand on va au bout, du coup on arrive au phare de Black Pixel. Ouais. Pareil, ça c'est lui qui l'a fait. Donc plutôt sympa aussi, faut avouer, mec. Il a mis son cœur. Ah hein. Non, c'est stylé. Non, vraiment. Ça y est. Hein. Ça fait plaisir. Ouais. Avec un peu de déco à l'intérieur. Le haut est stylé en plus, avec le petit flambeau, je crois. Ouais. En même temps, pour un phare, c'est logique. Ouais, franchement. Ouais, c'est classe. Tac, donc ensuite, on passe sur la statue, là. Ah, donc oui, là, c'est pas nous qui l'avons trouvé. Hein. On trouvait ça sur Internet. Mais bon, je trouve que ça faisait sympa, face à la mer, comme ça, face à l'océan. Moi, elle est pas mal. Ouais, elle est classe, hein. Je sais pas comment ils ont réussi à trouver ça, mais plutôt classe. Là, il y a quelques bateaux, bon. Très simple. Voilà, un port quoi. T'as un port de marchandises qui va être pour porter. Voilà, le porter. Un ours. On sait pas ce qu'il fout là, mais. Un ours. Un ours à vendre. C'est pas le seul. Machine, tac. Ensuite, ça rentre les trucs dans l'entrepôt. Et le séchoir à viande à côté. Oui, un séchoir à viande, c'est très facile. On rentre dedans, tac. Voilà. Ah ouais, j'aime pas. Et ensuite, on arrive dans l'entrepôt. Et on a, normalement, si on descend, voilà. Ah, il y a du taf, hein. Il y a du taf. Il y a l'arbre, là, le sapin. Le sapin, là. C'est un arbre custom, il nous a fallu quelques temps pour le faire. Ouais, c'est sûr. Un arbre entièrement custom. Au final, il donne bien, quand même. Il est pas mauvais, il est pas mal. Ouais. Bon, encore quelques trucs à apprendre, j'imagine, mais c'est pas si mal pour notre niveau. Donc voilà.
Un autre pont qu'on a fait beaucoup plus tard. Tu peux le montrer aussi. Comme vous le voyez, on a pris à peu près celui-là, le même. Oh, celui-là, c'est mon préféré. Ah, il est plus détaillé, il y a quelques modèles qu'on a changés. Mais bon, on n'est pas spécialiste des ponts, mais honnêtement, il est pas mal. Avec des arches en pierre, pont en bois. Et donc, qui mène à un village de bûcherons. Les bûcherons, les chemins sont pas partout. Ah ouais. Voilà, Siri en premier. C'est vrai, attends, juste. Ouais, du coup, voilà le village donc, de bûcherons. Avec une petite série entièrement refaite. Hein. Avec le rail qui passe. Ouais. Ensuite, les troncs ils descendent ici. Ils se laissent porter par la rivière. On a gardé en fait une forme de RP dans les constructions. Voilà. Quoi. Alors, ouais. Sauf là. Des petits arbres custom par-ci par-là, des fois. Et voilà, donc les troncs descendent par là, ensuite ils font descendre de la colline, ensuite ils descendent sur l'eau, totalement RP. Petit bâtiment. Ouais, il est classe. Ah, il est classe, franchement. Il y a quelque chose. Ensuite, là, le village du bûcheron. Petit réserve. Des maisons plutôt pas mal aussi. Ouais. Tout ça, entièrement décoré. Donc voilà, de manière très simple. Avec des cheminées. Ouais, toutes les cheminées ont été faites. Des cheminées, pas sur les maisons de la ville, mais. Ouais. Mais les bûcherons ont droit à des cheminées. Des petits hangars pour ranger le bois aussi. Ouais, celui-là. Là. Il y en aura un autre là-bas, c'est un peu plus grand. Après, voilà, tu peux peut-être voler, tu sais, pour faire une petite vue d'ensemble. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis pas en arbre. Ah, mais il y a la maison abandonnée aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà, petite vue d'ensemble. Elle est classe. Donc voilà, avec les petits chemins qui traversent un peu partout. Là, on a fait une petite maison de pêcheurs aussi. Donc là, c'est vraiment le village pauvre. On s'est mis en tête de faire plusieurs quartiers. Là, c'est plutôt quartier bûcheron, pauvre, vivant au milieu de la forêt. Et là, si on passe, il y a dans la carrière. Où ça ? C'est le. Je crois que. Voilà, je suis à la maison abandonnée. Ah ouais, qui se trouve pas là, qui se trouve ici. Okay. Donc là, maison abandonnée. Donc là, on a essayé de reproduire un arbre qui a éventré la maison. C'est écrasé, du coup, ils n'ont pas voulu la réparer, ils l'ont juste abandonné. Avec un pot de fleurs. La nature a repris ses doigts. C'est un pot de fleurs. Il éclate ce pot de fleurs. ça rajoute vraiment quelque chose. Non, en vrai, elle éclate, je trouve. Ouais, il y a quelque chose. Et après, t'es là-bas, si on prend le chemin. Voilà, petit chemin. Avec bah, du coup, on a fait style que ils aillent dans la forêt, dans le bois. Et franchement, là, on a voulu faire un truc simple, mais ça rend pas mal non plus. Ouais, il est vraiment bien. Voilà, le petit entrepôt en pleine forêt. Bon, avec la neige, du coup, ça cache un peu. Ça apporte, c'est pas mal. Ouais, t'as vu, ça prend pas tous les blocs, enfin, c'est bizarre. Faudrait qu'il règle ça un jour. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc, du coup, on fait quoi là ? Ah, bah, truc de pixel, peut-être. Allez, ça marche. Donc là, si on emprunte ce chemin, un peu plus loin. On tombe sur. Bon, là, faut pas faire attention aux espèces de trucs de lave dégueulasses. Ouais, ça, c'est que c'est ça en cours. C'est en construction. Il a fait fondre la glace pour essayer. On peut voir le début, quand même. Donc voilà, donc le début de ce qu'il a fait. Donc quelques dracars. En fait, il a fait un clan par couleur. Des clans vikings, ouais. Voilà. Alors, c'est clan Tordarok. 56 hommes, 2 dracars. Comme on le voit là-bas. Et il a fait un petit camp viking. Plutôt sympa. La tente du chef dedans, c'est... Oh ouais, j'avoue. Attends, je vais le montrer en dernier. J'ai montré ça. Voilà, les petites épées en canne. Le feu de camp. Et la tente viking. Avec ça. Et surtout, ça c'est classe. Ouais, ça m'éclate. Faudrait qu'on fasse comme ça. C'est j'avoue, pour quelques trucs, ouais, c'est sympa. Ouais, t'es vraiment assis, du coup. Bah ouais, ça marche super bien. C'est bien caché. Donc voilà. Donc, là. En vue d'ensemble, ça. Donc il a taffé quand même, il a taffé. Et là, bon, c'est pareil, mais en plus petit, mais tout aussi sympa. Hein. Vous voyez là. Donc là, c'est vraiment la place du bourg, clairement. Voilà. Bah c'est une place de transition, en quelque sorte, entre ouais. Le port, les ponts qui vont vers les autres villages, la grande ville.
Donc là, voilà, là il y a le port, là il y a le village de Cuchon un peu au fond. Avec notre ours, voilà, Siri. Ours enfermé. Et là, voilà, c'est la transition, ouais, j'avoue. Avec là, cet ours. Il est là depuis le début. Ah ouais, il est là depuis tout début. Ça un petit séchoir à poisson. Ouais. Bon, l'idée ne vient pas de nous. Hein. C'est vrai. Mais elle est classe. Ça veut dire. Le petit truc qui brûle là. On a fait des on a commencé à faire des maisons aussi. Ça c'est les coffres de début quand on est en survie, parce qu'on a commencé en survie quand même. Donc quelques maisons là de temps en temps qui se baladent, quelques stands, et surtout une arène qui est plutôt classe. Ah c'est l'autre côté entrée. Ah ouais on peut rentrer. Là j'ai fait un système mais en fait tu peux rentrer mais tu peux pas sortir. C'est pas possible de sortir. C'est pas mal ça, jusqu'à la mort. C'est ça. Alors, là une petite arène que j'ai déjà testé avec Pixel. Voilà. Qui était plutôt sympa. C'est qui avait gagné? Je sais plus. Ah, clairement. Elle est pas mal aussi, non? Ah ouais, avec les petits trucs, là. Tac. Voilà, on peut faire ça, regardez, tomber dedans et mourir. Voilà, donc là voilà, le bourg vraiment très simple. Avec 2-3 maisons. Porte, On repart vers la porte, oui, vers ici. Ouais, ouais. Ouais, donc, je crois que quelques maisons, les maisons sont décorées. Pas très détaillées. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est les maisons de base. Hein. Voilà, donc quelques trucs ici. Et là, on arrive à la porte qui rentre dans la ville. Ouais. Donc là, une porte dans la ville. Une prison. Ouais, vraiment de base, quoi. Ouais, une petite toile, voilà. Deux gardiens. Bon, là, on peut présenter donc, la maison ici, du coup. Première maison de la ville. Donc là, pas décoré. L'intérieur est pas fait, mais... Ouais. Mais là, quand même, l'ambiance... Ah, ouais, une petite ambiance. Sur le... Quand on se met sur l'eau, là, déjà, ça rend bien. C'est vrai que là... Ah, sur le canoë. Ah, il y a quelque chose. Il y a une petite ambiance quand même. Voilà, tout est détaillé. Un truc comme ça avec une petite muraille qui passe sur les côtés. Donc là, voilà. Ensuite, bon, deuxième maison. Encore une des maisons très simples pour l'instant. Hein. Mais toujours pas décoré. Voilà, donc là. Avec... On détaille sur les côtés. Ouais, une petite place quand même. On voit. Voilà, le réverbère, les arches. Alors le jardin, ah là, le jardin oui, public. Une sorte de petit jardin pour que ce soit. Une source d'eau. Tout simple. Voilà, bon là du coup on peut. Là, on arrive déjà dans ouais. Le bureau. Là on arrive dans le plus détaillé là déjà. J'avais voulu faire un grand jardin, un grand parc, du coup voilà, j'ai fait un truc comme ça. Tout... Ça rend bien. La petite grotte aussi. Voilà, voilà. Donc, comme on le voit, plutôt sympa. Donc qui prend vraiment tout le centre du village. Et tout autour, du coup, tous les chemins sont là. Et donc, du coup, donc là, il y a un pont donc, qui va partir vers l'extérieur de la ville après. Voilà, donc ça, bon, on va le faire. Ouais, bon, là, il y a de la place. Hein. Et voilà, du coup, les maisons. Les plus détaillées qu'on fait pour l'instant. Donc, celle-ci avec le toit en pierre. Donc vraiment voilà détaillé. On essaye ouais, d'alterner, pas faire les faire toutes pareilles. Du coup je trouve que ça donne plutôt bien. Voilà, donc là pareil, hein, pas décoré celle-ci. Voilà si c'est décoré mais bon. Ouais. Décoré au pif. C'était sur une idée. Voilà. Donc là les deux maisons, voilà. Donc là, les deux maisons, les toutes premières qu'on a faites. C'est celle-ci. Première détaillée, ouais. Et celle-ci est détaillée. Ouais. Et donc là, une... oh, là vraiment une toute petite maison. Ah oui, ça c'était la maison du... Ouais, maison du type qui garde, tu vois. C'est très précis. Derrière la porte. Avec quelques petits arbres. Ouais, c'est quoi des réverbères aussi. Là, il y a un chemin, bon, je sais pas si on fera quelque chose. Hein. Et là, du coup, on voit la... On voit un peu la muraille qui ceinture le bourg. Voilà. Du coup, il y a une autre muraille à côté. Ouais. Mais qu'est-ce que ça peut bien être, dites-moi. Et du coup, si on se met là, il y a une bonne petite ambiance. C'est une dépendance qu'on a décidé de faire, parce qu'il y avait une sorte résidence de dépendance. Ouais. Pourquoi pas faire une résidence ouais. Et là, du coup, bon, on commence par là bah, on commence à pied, ouais, après tu me prends en volant pour prendre une résidence. En effet. Donc là, merde, hop. Donc là, du coup, voilà, hein, petit jardin tout autour de cette énorme baraque. Qui en fait est quatre maisons, vous allez voir ça après. Vraiment plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre par là.
Pour le petit chemin derrière ou ouais, pas? allez, vas-y. Voilà, donc là, petit truc à l'extérieur de la de la clôture. Oh, c'était juste histoire de... Petite, voilà, hop. Donc, petit jardin extérieur. Sympa, plutôt sympa avec un banc. Ils font un truc de glace. Voilà. De glace, ça va. Et quelques arbres. Un escalier, une porte. Voilà, oh, petit bon, truc. On va parler du coup. Allez. Bon, du coup, l'intérieur est pas... Voilà. Partout. Si, si. Là, ouais. Ah, là, ouais, avec. Voilà. La cheminée. Cheminée qui ressort dehors. Hein. Tout est vraiment RP. Voilà, là, les portes. Et là, du coup, là, c'est l'intérieur. L'entre quatre maisons, en fait. En fait, les quatre maisons sont collées. Du coup, l'intérieur donne ça. Donc là c'est pas bon, décoré. Ouais. Là, c'est le hall. Là, il y a la porte d'entrée. Voilà. On va reconnaître l'arrivée. Ensuite, ici, là, il y a l'autre maison. Ça, bon, la décoration vraiment très simple et qui ressort ici. On peut ressortir là. Oh bah vas-y, on sort là. Et qui mène vers les écuries et la petite réserve de bois. Donc voilà, l'écurie, petite ambiance aussi, hein, toujours. On arrive là, donc vraiment une écurie avec sa réserve de foin. Donc là, si on regarde l'écurie de haut, voilà. On a un petit truc, c'est sympa aussi. Il y a le petit puits aussi. Ouais, le petit. Ah ouais, putain, j'avais oublié ce puits. Hein. Les détails. Donc là, vraiment, un tout petit détail. Là, il y a un tout petit chemin qui arrive vers un puits. Très profond, déjà. Donc, du coup, voilà. Hop, un petit tour comme ça. Là, on voit les maisons. Le petit chemin qui arrive par là. Et donc, du coup, voilà ce que ça donne si on monte de haut. On peut voler, hein. Et on peut pas tout voir en une image, c'est pour ça que ça donne bizarre. Mais si on regarde de haut, en fait, voilà, ça fait ça. C'est quatre maisons vraiment collées, quoi. Donc la plus grande ici, ici, tout un peu différent. Les deux sur le côté. Voilà, c'est vraiment le chef-d'œuvre, si j'ose dire, de ce qu'on a fait. Le point central, on va dire. Voilà. Pour l'instant. Oui, c'est vrai. Tout est détaillé. Voilà, comme ça. Alors, si on tourne autour, on voit qu'il y a quatre façades. Donc là, ça a pris assez de temps, mais franchement, ça vaut le coup. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, donc là voilà, le petit jardin, la table, le truc, et là si on revient au milieu, on voit que on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc pas déçu. Donc si mal. On fait vraiment une vue aérienne comme ça, on voit qu'il y a du taf. Il y a du taf on de fait. On peut même prendre une vue de la place, on voit c'est bien. C'est vrai. Donc voilà, là, si on se met là, franchement... Donc voilà, et voilà. Du coup, bah après, on va derrière l'autre côté du pont, on va faire toute une grande ville avec hôtel de ville. Tout ça. Voilà, tout ici. Là, il y a une petite baraque là, avec une croix, offerte par la Gage Corporation. Elle est née, croix. C'est tout ce qu'il a fait. C'est une croix. Du coup, on l'a mis là, on a tout déplacé ici, on fera sûrement un village dans ce style. Ce style avec ça et ça. Bon, ça va peut-être me donner quelques idées du coup. Ce qu'il a fait, ce que j'ai mis ici. Donc on verra. On fera sûrement une autre vidéo pour voir l'avancée. Si on a le temps. Ouais. Si on a le temps d'avancer déjà. C'est le début. Voilà. Ouais. Mais un début quand même. Il y a du travail. C'est pas mal. Ouais. Tire le bac. Ça change du spawn quoi. Ah oui, complètement. Voilà. Donc voilà, il reste un peu des détails à remettre un peu. Puis là, il nous restera toute une ville à faire. Toute une place. Alors ça c'est un arbre, on sait pas qui c'est qui l'a fait. Du coup on l'a déplacé ici. Donc si quelqu'un reconnaît son arbre, ben il se manifeste. On ne sait pas qui c'est. Et voilà, il était là, puis on l'a déplacé là-bas parce qu'il nous gênait. Donc si vous voulez mettre des armes, ben prévenez avant. Prévenez sur le Discord. Voilà, voilà. Bon, on va se quitter sous cette vue. Il faut une vue sympa. Quelle vue pourrait-on avoir là-bas quand même. Ouais. Ici. Voilà. Bon, ben voilà. J'espère que vous avez aimé.